Monsieur Mustapha Hedda, bonjour. Bonjour madame. Alors Abdelaziz Belaïd du Front al-Mustaqbel, candidat à la présidence du 12 décembre prochain, un programme, une feuille de route pour la campagne électorale. Monsieur Hedem. Oui, nous avons toujours au Front al-Mustaqbel participé à l'ensemble des élections parce que nous ne croyons pas en la politique de la chaise vide. Nous pensons que le changement ne peut venir que par les moyens démocratiques. J'ai eu à le dire ici dans ce studio en mai dernier. Nous continuons à le penser. Monsieur Belaïd Abdelaziz, le docteur Abdelaziz Belaïd, est candidat à la présidentielle puisqu'il a maintenant, avec la proclamation du Conseil constitutionnel, il est officiellement candidat avec les autres, les quatre autres candidat à la présidentielle. Alors la déclaration de M. Abdelaziz Belaïd, passer de la légitimité historique à la légitimité populaire, comment concrétiser cette volonté exprimée par les Algériens depuis le 22 février dernier et bien avant? Et bien avant, vous avez raison. Nous avons depuis l'indépendance, depuis 1962, la référence ou la recherche de la légitimité des pouvoirs qui se sont succédés dans notre pays s'est fondée sur cette légitimité révolutionnaire. C'est-à-dire ceux qui ont participé à la libération du pays ont acquis une légitimité pour gérer l'avenir du pays. Nous pensons que pour des raisons générationnelles, pour des raisons de biologie, il est temps pour les personnes qui ont bénéficié de cette légitimité révolutionnaire de passer la main, ce que nous avons souvent appelé passer le flambeau. Et le flambeau ne peut passer qu'à travers des élections propres, transparentes, qui donneront au prochain président, et pas seulement, à toutes les institutions, une légitimité populaire, parce que on ne peut pas gérer les affaires de la cité au nom d'un peuple alors que celui-ci ne vous a pas donné le quitus pour cela. Mais alors, vous pensez qu'aujourd'hui, qu'Abdelaziz Belaïd incarne cette génération post-indépendance? D'abord, de par l'âge, c'est le docteur Abdelaziz Belaïd est natif de l'indépendance. Il est né en juin 1963 et il a été formé par l'école algérienne. Il connaît au plus près les préoccupations de sa génération et des générations qui sont venues après. Abdelaziz Belaïd, c'est un homme politique, mais c'est aussi un père qui a des adolescents à la maison et qui est proche de ses enfants et qui connaît les aspirations et de cette jeunesse. Je pense que d'entre tous les candidats, à l'exception de deux, il est l'un des plus jeunes candidats et c'est aussi un candidat jeune mais qui a déjà une expérience de la présidentielle puisqu'il a été candidat en 2014 contre le président sortant, contre le président Bouteflika, et que nous avons, pour un jeune candidat qui venait de se présenter, nous avons été, pas plébiscités, mais nous avons été bien reçus par les citoyennes et citoyens électeurs. Alors, Abdelaziz Belaïd, justement, appelle à s'attacher au choix de la tenue de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est important dans le contexte actuel d'organiser l'élection présidentielle, sachant que certains contestent la tenue de cette élection présidentielle sous prétexte qu'il faudrait d'abord engager des réformes avant d'aller vers des élections présidentielles? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ce principe? D'abord, je ne pense pas qu'on puisse engager des réformes quand on n'a pas la légitimité nécessaire. Qui va engager ces réformes? Est-ce que des gens qui sont désignés? Désignés par qui? Sur la base de quel, j'allais dire, de quels paramètres et de quels critères? Le seul critère démocratique pour désigner un président, élire un président de la République ou toute autre institution, et dans toutes les démocraties, c'est les élections. Pour la période est difficile et il faut avoir un maximum de légitimité pour engager ces chantiers qui sont très importants, aussi bien sur le plan constitutionnel que sur le plan institutionnel. Nous devons donner à notre pays, par la voie démocratique, les institutions qui peuvent conduire, qui peuvent gérer cette période difficile,
cette période de crise que nous connaissons. Et c'est une crise multidimensionnelle. C'est une crise politique, c'est une crise morale, c'est une crise économique et c'est une crise sociale. Donc pour ce faire, il faut avoir la légitimité nécessaire. C'est pour cela que nous n'avons pas caché nos choix. Dès le début, nous avons dit qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller vers des institutions stables que les élections. Nous n'inventons rien, c'est ce qui se fait dans toutes les démocraties. Mais qu'est-ce que vous entendez par crise multidimensionnelle, politique, morale et économique ? D'abord, il y a une crise politique, il y a une crise de légitimité. Après le départ du président sortant, nous sommes en train de vivre une période de transition qui ne dit pas son nom. Et cette période de transition est suivie aussi par une contestation de la légitimité de ceux qui gèrent cette période de transition, à savoir le président, le chef de l'État et le chef du gouvernement et son gouvernement qui, ça nous l'entendons chaque mardi et chaque vendredi, est contesté et considéré comme étant nommé et désigné par des forces extra-constitutionnelles. Donc, nous avons d'abord un problème de légitimité. Il y a aussi une crise politique, puisque il y a une partie de la population qui est dans les rues et qui exprime un certain nombre de revendications. Et ces revendications, pour nous et pour le docteur Abdelaziz Belaïd, elles ne peuvent trouver leurs réponses et les solutions idoines qu'à travers un président de la République légitimement élu. Il y a un problème moral. Nous avons parlé depuis 2014, nous avons parlé de la nécessité de la moralisation de la vie politique et nous avons parlé de la nécessité de la moralisation de la vie publique d'une manière générale. L'arrivée de l'argent sale dans la vie politique en Algérie. Et cet argent sale n'est pas uniquement arrivé dans le cadre des financements des campagnes. Il s'est introduit à l'intérieur des institutions, donnant des pouvoirs extraordinaires à des personnes qui ne sont ni élues, ni désignées, et encore moins membres des gouvernements successifs depuis 20 ans. Alors, toutes les réformes devraient être engagées par le chef de l'État légitimement élu, c'est votre déclaration. Est-ce qu'on peut considérer parmi les priorités, c'est la révision de la Constitution ou aller vers une constituante comme certains le revendiquent aujourd'hui, Monsieur Heddem? J'ai eu à répondre à cette question ici dans ce studio il y a de cela 5 ou 6 mois. J'ai dit si on doit aller vers une constituante, il faudrait que les membres de cette constituante soient élus et qu'ils soient représentatifs. Aller vers des élections, pourquoi ne pas aller vers des élections présidentielles? La révision de la Constitution se fait de deux manières. Soit par le biais d'une constituante, soit avec un président légitimement élu et qui engage un dialogue, mais un véritable dialogue. Un dialogue qui doit durer 6 mois, une année, si cela est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'une loi fondamentale, une constitution dans notre pays, tous les amendements qui ont été apportés à la Constitution, notamment ces 20 dernières années, n'ont pas eu pour objectif de renforcer les institutions, mais de renforcer le pouvoir des hommes qui étaient à la tête de ces institutions. Ce qui a fait dire à beaucoup d'observateurs que nous avons assisté plus à des viols de la Constitution qu'à des amendements. Mais quand vous parlez de la moralisation de la vie politique, il faut impérativement aujourd'hui rompre avec la politique et l'argent. C'est votre priorité? Oui, lutter c'est contre la corruption également, poursuivre ce qui est engagé actuellement en matière de lutte contre la corruption. Pas seulement poursuivre la lutte contre la corruption, mais mettre en place les dispositifs législatifs, réglementaires, voire constitutionnels, pour que ce type de comportement nuisibles ne se reproduisent pas. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer devant les juges, devant les tribunaux et en prison des personnes qui ont fauté, mais faut-il créer au niveau de l'État aussi bien des institutions
et des structures, mais aussi des réflexes qui font que des situations comparables ne se reproduisent pas à l'avenir. Et c'est ce que nous avons dans notre programme. Mais qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète? Comment vous attaquer à cette corruption qui a gangréné tous les secteurs? Qu'est-ce que vous allez faire en priorité, M. Haddem? D'abord, réactiver les institutions existantes. La Cour des comptes a somnolé. Quand je dis elle a somnolé, et je suis très gentil, pas seulement elle a somnolé, elle s'est endormie pendant ces 20 dernières années. L'inspection générale des finances, qui doit avoir tous les moyens requis pour intervenir aussi bien à titre préventif par un travail pédagogique envers les gestionnaires que répressif, ne doit pas travailler. Donc d'abord, réactiver les institutions existantes et appliquer le corpus législatif existant. Or, à quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à deux phénomènes. D'abord, l'intrusion de l'exécutif dans l'action du judiciaire, et ça c'est extrêmement dangereux. Et deuxièmement, l'intrusion de l'exécutif en matière fiscale. Parce que, si vous voulez, nous allons y revenir, c'est l'une des plaies de notre pays. Pas seulement le mauvais fonctionnement de l'autorité judiciaire, mais aussi de l'administration fiscale. Alors, le peuple décide, Chabi Oukarrer, c'est le slogan de votre campagne électorale. La crédibilité du scrutin, les mesures prises, assurent-elles cette crédibilité? Est-ce que vous en êtes convaincu aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle vous vous engagez dans cette bataille électorale. Monsieur Haddem. Je vais être honnête avec vous. Quand nous avons demandé la mise en place d'une autorité indépendante qui sera en charge de toutes les étapes de la Constitution, c'est-à-dire de la liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats, nous avons dit que cette autorité doit être élue. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette autorité a été désignée. Mais nous ne sommes pas aussi adeptes du tout au rien. Après 60 ans de gestion que nous avons connue, passer à une autre période ne peut se faire que d'une manière pédagogique, d'une manière progressive. Ce n'est pas toutes les conditions qui sont réunies, mais nous considérons qu'il y a une avancée importante qui peut permettre effectivement une élection transparente et propre. Et je vais terminer par ceci, seuls les citoyennes et les citoyens peuvent garantir par leur présence, par leur implication, qui peuvent garantir des élections propres et transparentes. Les garanties sont suffisantes? Comment mobiliser les gens pour assurer un scrutin libre et transparent, puisque vous avez aussi parallèlement cette déclaration du chef d'état-major qui dit « L'ère des dictats et de la fabrication des présidents est définitivement révolue ». C'est une garantie supplémentaire pour assurer la crédibilité du scrutin. L'armée n'interférera pas dans ce scrutin. C'est une garantie suffisante, à condition que les gens qui sont impliqués dans les élections, notamment les candidats, ne se prévalent pas d'appui au sein de l'institution militaire. Parce que, en réalité, certains le font déjà, leur réseau le font, par le biais des médias alternatifs, ils le font. Moi, je vous dis, en fait, ceux qui prétendent qu'ils ont l'aval, le soutien de l'institution militaire, insulte cette institution militaire et lui manque de respect. Quand le chef d'état-major dit « nous ne fabriquons plus de président, nous n'allons pas nous impliquer » et que quelqu'un d'autre qui est partie prenante veut se prévaloir de ce soutien, c'est à la limite un manque de respect et dans l'extrême, ça relève de l'imposture. Est-ce qu'on peut parler de manipulation, de volonté de manipulation par ces propos qui sont tenus ici et là par certains candidats ou leurs membres? Bon, je vais vous dire, il y a des gens qui manipulation pensent... Manipulation de l'opinion, hein? Oui, il y a des gens qui pensent que dans une campagne électorale, tous les coups sont permis. Non, nous avons toujours appelé à la moralisation de la vie politique. Ce n'est pas tous les coups qui sont permis. Il faut d'abord présenter des programmes qu'on peut appliquer, c'est-à-dire des programmes qui prennent en considération la situation difficile que traverse notre pays, la situation économique et financière difficile que traverse notre pays. Ne pas vendre
aux citoyens et aux citoyens des chimères et des rêves qu'on ne peut pas réaliser. Il faut être pragmatique, dire la vérité et présenter des mesures qui peuvent être appliquées. La politique, Madame Souhil El Hachmi, c'est l'art du possible. Ce n'est pas le rêve. Ce n'est pas vendre des rêves aux citoyens et aux citoyennes. Et en fin de parcours, nous pensons, et notre candidat l'a souvent répété, si on doit arriver à la présidence de la République, on veut y aller d'une manière légitime, par des élections propres, transparentes et sans avoir à mentir aux Algériennes et aux Algériens. Alors, Monsieur Mustapha Heddem, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il ne faut pas vendre du rêve aux Algériens, il faut être réaliste. Vous êtes dans un discours plutôt populiste, électoraliste ou réaliste par rapport à ce que vous allez décliner en termes de programme pour, si vous êtes bien sûr élu à la présidence de la République. C'est Monsieur Belaïd est élu à la présidence de la République. Pour être populiste, il faut vendre du rêve. Pour être démagogique, il faut vendre du rêve. Nous, on ne vend pas de rêve. Nous disons aux Algériennes et aux Algériens, à nos concitoyens, que la situation est difficile, que nous allons mettre en œuvre un programme qui prendra en charge beaucoup des préoccupations de nos concitoyens. Mais nous annonçons d'ores et déjà que la période est difficile. Nous sommes une économie extravertie, fondée sur l'exportation d'un seul produit, c'est-à-dire les hydrocarbures, et ce n'est pas nous qui fixons le prix des hydrocarbures. C'est le jeu de l'offre et de la demande. C'est le marché international. C'est les grands consortiums, c'est les grandes firmes pétrolières qui agissent sur les prix du pétrole. Nous avons raté le coche en dépensant 1200 milliards de dollars sans sortir d'une économie extravertie fondée sur un seul produit. Nous devons avoir le courage d'aller maintenant et à pas rapide vers une économie qui ne soit pas uniquement fondée sur l'exportation des hydrocarbures. Est-ce que vous êtes conscient que nous avons quand même un délai assez limité à horizon 2022? Nous serons face à une crise suffisamment difficile. Quels seront les grands chantiers que vous allez entreprendre en termes de crise économique pour faire face, bien sûr, à la situation que nous traversons actuellement pour ne pas revenir à la planche à billets si ça devait être le cas à l'avenir? Puisque même le gouverneur de la Banque d'Algérie dit que ça a été gelé et qu'on pourrait, si la situation demeure ainsi, nous pouvons y recourir en 2021. Monsieur Heddem. En réalité, il y a un tabou qui a été instauré dans notre pays. Recourir à l'emprunt extérieur, c'est perdre un peu sa souveraineté, ce qui est faux. Vous y êtes favorable? Tous les pays recourent à l'emprunt extérieur quand cela est nécessaire. Quand cela est nécessaire pour booster l'investissement, pas pour la consommation. Et nous n'avons pas de tabou là-dessus. Deuxièmement, sur le plan fiscal, nous sommes contre la création de nouveaux impôts et de nouvelles taxes. D'abord les taxes, parce que c'est tout le monde qui les paye et en réalité, ce n'est pas juste sur le plan fiscal. Et puis le problème que nous avons dans notre pays, nous avons un problème de recouvrement de l'impôt. D'une manière générale, l'impôt n'est recouvert qu'à 25-30%. Les ministres qui ont été qui ont fait des déclarations les plus sérieuses, ils parlent de 40%. Comment se fait-il que 60% de nos impôts ne sont pas recouverts, alors qu'on continue à vouloir créer de l'impôt? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui payent leurs impôts ont tort et qu'on va encore les recharger. Il faut d'abord régler définitivement ce problème de recouvrement de l'impôt ordinaire. Et au lieu de se focaliser uniquement sur l'impôt pétrolier. Deuxièmement, et pour nous c'est très important, booster l'investissement. Booster l'investissement, c'est quoi? C'est garantir un environnement d'investissement qui soit un environnement propre et honnête. Il faudrait que cet environnement se fonde d'abord sur la stabilité de la législation. Je vous ai dit la dernière fois,
le capital est lâche, quand le capital sait qu'il n'a pas un environnement législatif, réglementaire, et qu'il n'y a pas une véritable politique de lutte contre la corruption, et que l'économie est administrée, c'est-à-dire qu'elle est gérée par des bureaucrates au lieu d'être gérée par des gens, par des financiers et des économistes, l'investissement intérieur ne se fera pas, et l'IDE, l'investissement direct étranger, ne viendra pas. Vous allez libérer l'investissement en termes clairs, Monsieur Haddem ? Absolument. Nous allons libérer l'investissement en mettant en place, d'abord, en assurant une stabilité de la législation et en mettant en place des mécanismes qui puissent permettre aux investisseurs de se sentir, j'allais dire, en confiance, mais aussi de quelqu'un qui investit, il investit pour... ce n'est pas une œuvre philanthropique. Les gens investissent pour gagner de l'argent et il faut respecter cela. Que ces gens-là payent leurs impôts, oui. Que ces impôts, que ces gens-là respectent leurs travailleurs, que les droits des travailleurs soient respectés, oui, et c'est ce que nous allons faire, mais il faudrait créer un environnement, sain, pour que l'investissement puisse se faire dans notre pays. Supprimer la règle des 51-49, puisque vous dites nous allons aussi vers l'emprunt international. Je n'ai pas dit que nous y allons, j'ai dit quand cela est nécessaire, il ne faut pas que ça soit un tabou. Parce que perdre la souveraineté, on risque de perdre notre souveraineté en restant sur la planche à billets. On risque de perdre notre souveraineté quand on a 50 milliards à 52 milliards de dollars qui sont dans le marché informel. Nous allons perdre notre souveraineté... 500 milliards de dinars. 500 milliards de dinars. C'est 50 milliards de dollars. Vous voyez ce que c'est? Si, je vous parle des chiffres. Je vous parle des chiffres qui sont rapportés par toutes les institutions internationales. Non, ce n'est pas 500 milliards, c'est 5 000 milliards de dinars. 5 000 milliards, voilà. Oui. C'est 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, ça permettra de rebooster véritablement notre économie. Donc, on peut aller, il ne faut pas qu'il y ait un tabou, on peut aller vers l'emprunt extérieur. Il y a des gouvernements qui ne sont pas allés vers l'emprunt extérieur pour une seule raison. Parce que quand c'est l'étranger qui vous prête, l'étranger s'intéresse à ce que vous faites de l'argent qui vous a été emprunté. Mais quand vous prenez uniquement sur le trésor public, vous avez toute liberté de faire ce que vous avez à faire. Et en réalité, cette irresponsabilité, c'est elle qui a conduit à la dépense de 1200 milliards de dollars avec les résultats que nous connaissons. Alors avant d'aborder la question des auditeurs, il y a cette déclaration de M. Abdelaziz Blaïd, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain du Front al-Mostaqbal, qui dit « La formation du citoyen algérien est sur une nouvelle vision axée sur l'éducation et les nobles valeurs s'avèrent nécessaires, il a estimé, des valeurs qui ont disparu après que l'école algérienne ait délaissé le projet national et ait constitué un laboratoire d'expérimentation des programmes étrangers de la société algérienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous allez commencer par la refonte de l'école en priorité? Je vais être honnête avec vous. Nous avons plusieurs axes, mais les deux axes principaux, au-delà des axes économiques, les deux axes importants, c'est l'école et la justice. Je vais vous dire, une école qui forme des citoyens, où on fait de la formation civique en plus du savoir qu'on donne. Une école qui apprend, qui fait la formation de la citoyenneté, la formation du citoyen de demain. C'est une école qui donnera à l'Algérie des citoyennes et des citoyens responsables. Une école républicaine? Bien entendu, une école républicaine où on doit proscrire définitivement cette charge idéologique et politique qu'on donne au programme scolaire. Le citoyen algérien est maintenant citoyen du monde. Il a ses références. Souvent, nous donnons notre candidat dans l'exemple du Japon. Pourquoi? C'est un pays qui est en plein dans la modernité, mais qui n'a à aucun moment oublié ses racines, oublié ses us, ses coutumes, ses traditions. Et puis, nous avons tellement banalisé des comportements
qui des comportements nocifs. Nous avons transformé la corruption en chipa, ou on l'a transformé en ikramiette, et on est arrivé à une période où un fonctionnaire demande haqqou. Il considère que prendre la corruption, faire de la corruption passive, c'est son droit, et pour celui qui est demandeur, faire de la corruption active, il dit que et ça, c'est dramatique. Donc nous avons un problème de moralisation et de la vie politique et de la vie publique. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui, Monsieur Heddem. Alors, qu'en est-il de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans la perspective de votre parti politique par rapport à cette échéance électorale, Monsieur Heddem? L'indépendance de la justice, c'est d'abord l'indépendance du juge. Tant que nous avons un conseil supérieur de la magistrature où 9 des membres sont désignés par le pouvoir exécutif, et le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est la tête de l'exécutif, nous n'allons pas avoir une indépendance judiciaire. Il faudrait que le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, soit composé exclusivement de magistrats qui ont été élus par leur pair. Car c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère la carrière et qui protège le magistrat. Le magistrat doit obéir uniquement à la loi et à sa conscience. Et pour cela, il doit se sentir indépendant et il doit se sentir protégé. Le dernier cafouillage que nous avons vécu, où la chancellerie dit que le CSM a été consulté, et des membres du CSM qui disent qu'on n'a pas été impliqué dans le large mouvement qu'il y a eu récemment et qui a eu comme résultante la grève des magistrats. Alors, est-ce que vous allez procéder à la dissolution du Parlement, des deux chambres du Parlement, Monsieur Heddem, rapidement, pour les questions des auditeurs? Oui, bon, très probablement, nous allons procéder, parce que si vous avez un président de la République qui a été légitimement élu et que l'ensemble des assemblées sont contestées parce que considérer qu'ils ont été élus par des élections trafiquées, il va de soi que nous allons, notre candidat, s'il est élu, comme nous le souhaitons, comme nous le demandons au peuple algérien, nous allons aller vers une véritable refonte des institutions. Mais comment aller aujourd'hui ou rétablir la confiance avec les électeurs algériens pour les convaincre d'aller aux urnes quand vous avez des manifestants du Hirak qui disent non aux élections présidentielles? Oui, quand on dit non aux élections présidentielles, qu'est-ce qu'on présente en contrepartie? Est-ce qu'on va continuer à poursuivre cette période d'incertitude et cette transition? Est-ce qu'il y a une autre manière d'aller vers des institutions légitimes? Et pourquoi ne pas donner la chance à cette majorité silencieuse qui n'est pas dans la rue pour s'exprimer? Je vais vous dire, il n'y a pas dans un pays où il y a une unanimité sur une élection. Mais que ceux qui ne veulent pas voter n'empêchent pas les autres d'aller voter. Et que ceux qui veulent voter n'imposent rien à ceux qui ne veulent pas voter. Mais ceux qui tenteront d'empêcher certains d'aller voter, comment vous considérez cette situation? C'est une violation de la loi. C'est une violation de la loi et c'est une atteinte à un droit fondamental, celui de s'exprimer pour élire des institutions légitimes dans son pays. Alors, comment donner confiance à un candidat qui a pendant de longues années été le secrétaire général de l'UNJA, l'Union Nationale des Jeunes Algériens, affilié au FLN? Je ne pense pas que ça soit un délit. Je ne pense pas. Il faut dire d'abord que nous étions sous le règne du parti unique. Si on veut faire de la politique et si on veut militer, on va dans ce parti unique. Et que l'ensemble de la société était encadré par ce parti unique. Les étudiants, la jeunesse, les femmes, l'UNFA, les paysans, l'UNPA. Est-ce que cela est un crime ou un délit que d'avoir milité jeune dans une organisation de jeunes qui avait au moins le mérite d'exister? Je ne vois pas à ce moment-là
95% du personnel politique algérien, y compris la majorité de ceux qui sont dans d'autres partis, sont issus de cette matrice, qui est le FLN. Je ne pense pas que ce soit un délit. Alors, est-ce qu'il va falloir, pour cette campagne électorale qui va démarrer le 17 novembre prochain, dans quelques jours, il va falloir un peu moraliser l'activité politique, mettre en place une charte d'éthique et morale pour que les candidats évitent de s'insulter mutuellement? J'appartiens à une génération, et beaucoup de nos auditeurs appartiennent à la même génération. Nous avons vu à quoi ça aboutit, la violence verbale. La violence verbale a une finalité, c'est la violence physique. Nous avons, en tant que parti, et notre candidat, le président de notre parti, le candidat Abdelaziz Belaïd, a proscrit de son lexique l'insulte et l'anathème. Nous, dans notre pays, l'insulte, l'anathème et l'excommunion sont érigés en langage, en éléments de langage dans l'action politique et malheureusement dans l'action sociale. Au sein de la société, les gens s'empressent rapidement à vous envoyer et des insultes et de l'anathème. Nous avons proscrit de notre lexique politique l'insulte, l'anathème et l'excommunion. Nous sommes des citoyens algériens qui voulons participer à l'édification d'une nouvelle Algérie. Et nous refusons de le faire par la violence verbale parce que nous savons que la violence verbale enfante toujours la violence physique. Alors vous êtes dans un principe de nouvelle Algérie ou de la continuité de cette République aujourd'hui, Monsieur Heddin, puisque vous dites on ne peut pas balayer tout d'un coup pour tout recommencer à nouveau. On ne peut pas construire la Deuxième République sur les décombres de la Première République. L'histoire nous enseigne et ce que vivent les pays, d'autres pays, tels que la Syrie, tels que le Soudan, tels que l'Égypte, tels que l'Irak, tels que la Tunisie, que vouloir construire sur les décombres, ça n'aboutit strictement à rien. Nous ne sommes pas dans une continuité aveugle. Nous disons que des choses ont été faites dans notre pays, construisant sur celle-ci, améliorant la gestion de ce qui existe et à ce moment-là, nous allons aller droit, rapidement, avec des pas sûrs, debout, vers cette Deuxième République d'institutions légitimes. Alors, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a aussi également beaucoup de critiques et même parfois des propos un peu déplacés, même des insultes sur la page de l'invité de la rédaction par rapport à votre présence ce matin dans le studio. Un des auditeurs qui me dit « Madame Souhil El Hachmi, comment osez-vous inviter des responsables de ces partis politiques qui veulent légitimer une situation qui n'en est pas une et qui est quand même... Et puis vous donner aussi la parole à des personnes qui n'ont pas d'assises populaires puisqu'aujourd'hui le peuple ne veut pas ou les hirakistes ne veulent pas de ces élections présidentielles. » Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question et ces réactions très violentes sur la page de l'invité de la rédaction? D'abord, pour ce qui est de l'assise populaire. Nous sommes présents dans 71 communes. Nous avons un groupe parlementaire. Nous sommes présents dans plusieurs APOI. Nous avons nos candidats ont été élus et ont été élus proprement. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à dire que nous n'avons pas d'assise populaire. Deuxièmement, qu'est-ce que nous voulons légitimer? Nous voulons aller vers un état de droit. Nous voulons aller vers des institutions légitimes. On risque une crise profonde sur le plan politique? Je vais vous dire, nous faisons de la prospective, mais je ne sais pas comment vous dire ce qui adviendra de demain. Mais en faisant de la prospective, je vais vous dire, nous allons aller vers des élections. Il y a des Algériennes et des Algériens qui vont voter. Il y a des Algériennes et des Algériens qui vont tout faire pour que ces élections n'auront pas lieu, à condition qu'ils le fassent, non pas dans la violence. Vous avez parlé d'insultes, nous, on n'insulte pas. Vous avez parlé d'anathème, nous, on ne jette pas d'anathème. Nous considérons que chaque Algérien, que chaque Algérienne est libre d'avoir son opinion. C'est ça le principe de la démocratie. Absolument. Alors, comment vous osez parler d'une majorité silencieuse alors qu'aujourd'hui, la majorité est dans la rue? Monsieur Heddem, pourquoi majorité silencieuse? Rapidement. Il n'y a pas, je vais vous dire, il n'y a
les gens qui disent que tout le peuple est dans la rue, les gens qui disent que tout le peuple est dans la rue se trompent. Il y a une partie des citoyennes et des citoyens qui sont dans la rue. Nous respectons leurs opinions, mais nous disons non à la violence, non à la violence verbale, non à l'anathème, non à l'insulte. Ce n'est pas parce que j'appartiens à un parti politique où je représente un candidat que je dois être taxé de cachériste. D'abord, moi, je n'aime pas le cachir, à titre personnel. Hein. Je ne suis pas cachériste. Même nous, nous ne sommes pas des cachéristes. Nous n'avons pas mangé à tous les râteliers. Nous avons lutté et nous avons un programme. Nous avons nos opinions. Le président de notre parti, qui est notre candidat, n'a jamais soutenu l'ancien président depuis 2004, depuis le deuxième mandat. Depuis le deuxième mandat, le docteur Abdelaziz Belaïd avait soutenu le secrétaire général du FLN parce qu'il était membre du comité central et par discipline partisane. Nous n'avons pas mangé dans tous les râteliers. Ceux qui nous jettent maintenant la pierre, qu'ils s'assurent que leur maison n'est pas en verre. À ce moment-là, si leur maison n'est pas en verre, ils peuvent nous jeter la pierre. Monsieur Mustapha Haddad, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle seulement que vous êtes le porte-parole du candidat Abdelaziz Belaïd du Front Mustaqbel. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame.